voilà. Et en fait, c'est pas une chose, justement, on a beaucoup de joueurs qui sont là, pour les voilà. Le débarquement comme ça, c'est un peu, tu vois. Et là, un peu fragile, mais tu vois, je peux toujours profiter des nouveautés de gameplay. Ouais, et monter. Oh là là, c'est fort. C'est une mauvaise idée. Ah bah, j'ai voulu déclencher. Ouais, la super attaque pour la super attaque. Tu la montres en solo. Oui, je l'ai montré en solo. Alors, j'ai peut-être pas réussi à faire montrer toutes les gameplays de Halo 5, mais forcément, en Warzone, je peux toujours profiter. C'est à dire, d'acheter comme ça. Je n'ai pas vu, c'est bien.
Tu vas le faire en solo? Ouais, je vais la tenter. Ah, il me sent mal. Ah, il a son pote qui le protège en plus. Éviter au sauter. Oula. Ah. Ouais, c'était alors, une bonne idée. C'était une excellente idée. Ouais. Les boss de ce genre, alors après celui-là, c'est. Enfin, les boss comment parmi ces joueurs, mais les boss forerunner, il est quand même conseillé de les attaquer à plusieurs. Ouais. Parce que ils sont absolument partout. Voilà. On va pas faire le boss Warden, mais surtout le système de réquisition. C'est un mode de jeu qui est pensé avant tout pour le fun et pour le pouvoir. Un maximum de joueurs pour faire des qualités bien réalistes. C'est fun, c'est bien pensé. On va Merci beaucoup pour ce deuxième GM, on a un troisième GM. On va partir sur l'arène. Regardez, dans un projet, je ne vais pas tous les deux, mais avant, vous avez peut-être le vidéo de la vidéo. A tout de suite.